Maintenant, nous allons continuer ce cours et tester les premières configurations. Donc ici, on utilisera add. Maintenant, on va mettre delete user, qui veut dire supprimer user. Donc delete user. Et on va spécifier uniquement ce parti-là en allant dans le test runner. Et on va changer pour mettre delete user. On va compiler et normalement dans notre terminal, on va recevoir un given then. On va voir dans notre step definition. Je vais compiler maintenant. Comme vous voyez, que je suis connecté en tant qu'admin. Je supprime l'utilisateur John Day. L'utilisateur John Day est supprimé avec UC. On va vérifier. Voilà. Donc cela fonctionne correctement. Maintenant, on va tester avec les deux. On va retourner dans le runner. On va mettre or. Non, mettons un or. Cela veut dire que on veut avoir le résultat pour que deux scénarios, c'est-à-dire le add user et le delete user. On va retourner dans le truc features. Donc ici, on doit afficher les informations du nouvel utilisateur, puis afficher que l'utilisateur John Day a été créé. Et ensuite, on va afficher ce parti aussi. On va retourner dans le step definition. Donc, normalement, toutes ces lignes doivent être affichées. On va compiler le programme. Voilà, comme vous voyez, les lignes ont été affichées. Donc la première ligne qui est là. Ensuite, la deuxième qui commence ici. Donc si on vérifie, on va vérifier dans le step, dans le features, pardon. Donc la première ligne ajoute l'utilisateur qui est là, puis le given. Ensuite, il y a les informations de John. Et ensuite, il y a le den. Et dans le deuxième scénario, il y a le given, then, when qui sont là. Given, then, et when. Voilà. Maintenant, nous allons essayer aussi un autre qui est le end. Là, on a testé le or. On va tester le. Non, on va d'abord tester le not. Donc là, on veut afficher toutes les valeurs, mais on ne veut pas afficher la valeur de add user. Donc on va retourner dans notre test runner. Et comme on ne souhaite pas afficher les valeurs de add user, on va mettre notes, et cela veut dire qu'on va afficher toutes les valeurs sans, pardon, tous les scénarios sans le scénario de add user. Mais pour cela, je vous laisse compiler et voir le résultat. Dans le prochain cours, nous allons vérifier les résultats ensemble. Et si vous avez une erreur, prenez le temps de bien réfléchir pour trouver la solution, parce que c'est en pratiquant qu'on apprend. À bientôt.